Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire qu'on organise en partenariat avec Hublot sur le thème de la certification et des labels qualité HLM. On va essayer de répondre ensemble aujourd'hui à une question qui est comment tenir vos engagements sur la durée. Ce sera vraiment le fil conducteur de ce webinaire qu'on va co-animer ensemble avec Flavien. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter, Flavien. Oui, donc très rapidement, bah, moi je suis Flavien Dueto, je suis un des deux cofondateurs de Hublot et je m'occupe de la partie en particulier commerciale, marketing, finance et animation de webinars. Parfait, merci Flavien. Donc, bonjour pour ma part, je suis Maxime Joly, je suis responsable avant-vente et partenariat chez Access. Et j'ai le plaisir également de co-animer ce webinaire et d'assurer le lien entre les clients que l'on a chez Access et les différents partenaires qui interviennent au quotidien sur leur système d'information. Donc, quelques informations pratiques avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur ce webinaire. Donc, ce webinaire, il sera enregistré. Donc, vous allez pouvoir recevoir hein, dans la foulée de ce webinaire le replay, l'enregistrement et probablement également le support. Ça, on vous le confirmera également. Autre information pratique. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en bas à droite de l'outil de webinaire qu'on utilise, vous allez avoir un accès à un chat tout en bas à droite dans l'angle qui va vous permettre d'interagir, de poser des questions si vous en avez. Et vous avez également une partie qui est dédiée au sondage que Laura, qui travaille avec nous, va vous faire de temps en temps au fur et à mesure de ce webinaire qui permettra d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur vos projets, sur où vous en êtes dans les démarches qui nous intéressent aujourd'hui. D'accord? Donc on va faire notre maximum pour répondre à vos questions, pour essayer de vous proposer des exemples, des pistes au service de votre transformation tout au long de ce webinaire. On gardera un petit peu de temps hein, à la fin de ce webinaire pour traiter les questions et puis de toute manière on répondra à 100% de vos questions, que ce soit aujourd'hui en direct ou à l'issue de ce webinaire. Alors, on sera un plaisir de vous rencontrer. Alors, sans plus de préambule, les principaux points qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, hein, dans l'ordre du jour qu'on vous propose, on va faire un premier temps, vous présenter qui on est, pourquoi nous faire confiance et les bénéfices que vous avez à associer la solution Hublot et la solution Nexia. Que on représente tous les deux aujourd'hui avec Flavien. On fera un tour d'horizon assez rapide et synthétique sur les principales certifications, principaux labels dédiés au HLM qui existent, pour que vous puissiez avoir trois exemples d'un côté, trois exemples de l'autre. On va vous les montrer, que vous compreniez les grands principes si vous n'êtes pas encore familier avec ces démarches, et puis les principaux avantages qu'il y a à en mener. On s'intéressera aux principaux enjeux qu'il y a sur le chemin vers cette transformation via des labels ou des certifications, hein, les principaux enjeux autour de la qualité. On vous proposera des pistes, des solutions, que ce soit méthodologiques ou informatiques, pour accompagner votre transformation. Et puis, bien sûr, on gardera un petit peu de temps pour échanger à la fin. Alors, tout d'abord, pourquoi nous faire confiance? Je vais commencer par Access. Donc Access, c'est l'expert, il est expert de la dématérialisation depuis plus de 20 ans, à la fois sur les acteurs de l'immobilier, mais également d'autres secteurs sur lesquels on est présent. C'est un groupe qui est en croissance et qui a la pérennité assurée pour plusieurs raisons, parce qu'on a le même actionnaire majoritaire qui est le fondateur Gilles Triou depuis les débuts, qu'on a engagé dans un plan qui s'appelle CAP 2028, qui a vocation à nous permettre de doubler notre taille et notre chiffre d'affaires d'ici cette date, et qu'on est aujourd'hui 300 collaborateurs passionnés au service de la transformation des bailleurs. Notre offre s'articule autour de trois pôles d'expertise. Le premier pôle, qui est le pôle cloud, qui assure l'hébergement sécurisé en France sur nos propres serveurs, nos propres data centers,
de nos logiciels et du système d'information de nos clients. On est certifié hébergeur de données de santé et ISO 27001 pour que vos données soient en sécurité. Et on est également éditeur de logiciels métiers en mode SaaS hein, dans le pôle software que je représente avec une offre de dématérialisation et de gestion électronique de documents qui s'appelle Nexia, dont on parlera tout à l'heure. Et puis le troisième pôle qui vient compléter cette triptyque, c'est le pôle Digital Services qui est une véritable agence de stratégie et de communication digitale. On compte aujourd'hui plus de 4000 références, que ce soit sur de la dématérialisation de factures, sur de la gestion électronique de documents ou sur des projets qui combinent ces enjeux. Et parmi ces références, bah, évidemment, pas mal de bailleurs, quel que soit l'ERP immobilier qu'ils utilisent aujourd'hui. Un rapide focus sur Nexia, qui est bah, la GED immobilier d'Access que l'on héberge bah, sur nos propres serveurs en France. C'est une solution qui a vocation à vous accompagner dans la transformation de votre organisme à travers une offre de gestion électronique de documents, donc référentiel documentaire unique et partagé, et de workflow de traitement de documents packagés pour accélérer votre transformation. L'idée, c'est que on vous permette d'accéder à vos documents n'importe où, à tout moment, et dans un environnement qui va être totalement sécurisé et qui est bah, 100% en France. Je te laisse présenter Hublot, Flavien. Oui, donc Hublot, c'est un logiciel en SaaS, donc accessible avec un navigateur Internet pour les professionnels immobiliers. Donc on fait du parc privé ou du parc public qui inclut des bailleurs sociaux ou des acteurs du logement accompagné. Et c'est assez simple, notre proposition de valeur, c'est d'essayer de proposer au travers d'interfaces fluides et belles de changer la manière d'interagir entre les différentes parties prenantes de l'immobilier. Donc concrètement, c'est-à-dire de proposer des parcours sur les activités classiques de gestion locative, donc c'est-à-dire arrivée d'un nouveau locataire, avis d'échéance, facturation, relance d'impayés, de faire tout ce lien entre une interface gestionnaire, une interface pour le locataire et une interface pour suivre les actions de proximité, comme les états des lieux ou le suivi des équipements. On a aujourd'hui plus d'une centaine de références secteur, aussi bien privé que public, et aujourd'hui on essaye de proposer un accompagnement sur les thématiques que tous les acteurs de l'immobilier sont confrontés aujourd'hui, c'est comment améliorer la relation client et voir qu'on essaye d'apporter une approche logicielle, mais pas que dans cette démarche. Et un point très important dans l'ADN du Blo, en dehors de faire des choses belles, on essaye de faire des choses connectées. Ça, c'est pour nous un enjeu clé, c'est-à-dire que c'est impensable que vous ayez une solution qui va résoudre tous vos enjeux et que donc aujourd'hui, votre valeur ajoutée que vous devez avoir, c'est d'avoir la connexion entre différents outils. C'est aussi pour ça qu'on a l'habitude de participer ou d'animer des gens à des webinaires. Et je suis très content que Massic soit là parce que pour moi, c'est un des enjeux de faire en sorte de proposer des solutions complémentaires. Donc, c'est avec l'exemple de Nexia, par exemple, mais l'idée, c'est d'essayer de proposer des outils qui se parlent pour qu'à la fin, l'utilisateur soit un peu neutre de la solution. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux de demain. On peut avoir le plus bel outil du monde, mais s'il n'est pas connecté, ça ne sert à rien. Et on peut avoir l'outil le plus complet du monde, mais s'il est complètement fermé, à la fin, ce sera nécessaire. Et l'enjeu, il n'est pas que, on va dire, une déception, c'est que ça a un coût économique de productivité, même d'engagement. Honnêtement, si j'ai un outil qui m'empêche de faire des choses, ben en fait, je vais assez peu l'utiliser ou je vais faire des tâches un peu redondantes. Donc, c'est un des enjeux, c'est d'arriver à proposer des outils qui sont complémentaires et on va, je pense, le répéter sans arrêt au cours de ce webinaire. Je suis bien d'accord avec toi, Flavien. C'est une très bonne introduction à cette slide que vous avez à l'écran. Associer Hublot et Nexia, c'est justement avoir, comme tu le disais, des choses belles et connectées à proposer à vos utilisateurs. Donc, c'est avoir des outils qui sont intuitifs, qui sont connectés, qui sont évolutifs, que ce soit Hublot ou Nexia, ben, on va venir adapter le périmètre à vos besoins avec des offres modulaires. Et puis, évidemment, nos équipes R&D travaillent dur tous les jours pour vous proposer toujours plus de choses. C'est également s'appuyer sur des spécialistes de la gestion locative pour Hublot, de la gestion électronique de documents du côté de Nexia, et à la fois un mix des deux, puisque ben, c'est des outils au service de vos métiers. Donc autant Hublot que Access ont
connais assez bien vos métiers, puisque ça fait quand même un certain temps qu'on gravite autour des bailleurs et de leurs problématiques métiers. Ça reste des outils au service des métiers et au service des humains qui font ces métiers. On en reparlera beaucoup dans le cadre de ce webinaire. Donc c'est également notre complémentarité, elle est également au service d'éviter des tâches chronophages avec des automatismes, hein, que ce soit de part et d'autre. C'est réduire les temps de traitement, les coûts associés également à la recherche de documents, ça c'est plutôt du côté de Nexia. Et de manière générale, combiner nos expertises, c'est faciliter votre transformation durable et la qualité de service que vous proposez aux occupants de votre parc immobilier. C'est un peu le fil conducteur aujourd'hui, la qualité de service, hein, puisque c'est l'angle qu'on avait choisi de prendre pour ce webinaire. Donc en parlant de qualité, les premières questions qu'on va traiter en ce moment, c'est quelles sont les certifications et labels dédiés au HLM. On va vous donner 6 exemples pour que vous puissiez voir un petit peu la diversité qui existe, et puis quels sont les grands principes qu'on va retrouver assez souvent et leurs avantages. D'accord ? L'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de faire un cours sur tous les labels qui existent, sur comment on les met en place. C'est vraiment plutôt de vous donner un tour d'horizon global, vous dire que il y en a qui ont des particularités, vous donner des exemples et que vous ayez suffisamment de bagages pour vous y retrouver. Et si vous avez besoin de détailler tout ça, et bien on se fera un plaisir de vous orienter vers soit les labels, les organismes qui délivrent ces labels et ces certifications, soit les cabinets ou les auditeurs certifiés qui peuvent vous aider dans ces démarches-là. Donc, premier exemple avec cette slide, on vous a proposé 3 outils sectoriels qui sont développés par Delphis avec et pour les bailleurs sociaux. Donc, tout organisme de logement social, quelle que soit sa structure ou sa taille, peut aujourd'hui y accéder. C'est des outils qui vont aider l'organisme volontaire à la fois à structurer et à déployer sa démarche dans une logique d'amélioration continue. Et que ce soit tout label ou toute certification de Delphis va être attribué à l'organisme après un audit qui est fait par un organisme tiers indépendant. Donc là, par rapport à cette slide qui nous a été préparée avec une grande gentillesse par les équipes de Delphis, vous avez 3 exemples qui sont à l'écran. Donc le premier exemple, c'est l'exemple de Calibail, qui va vous permettre d'avoir une certification dédiée à la qualité de service dans le parc locatif social, qui s'articule autour de 6 engagements, autour de 3 axes. Le parcours client, avant même d'être locataire, de la recherche de logement jusqu'au fil de la vie du bail et même jusqu'au départ de ce locataire. L'idée, c'est que vous ayez un référentiel d'engagement sur lesquels vous allez pouvoir structurer votre activité, savoir quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, et derrière, vous allez pouvoir homogénéiser vos pratiques de gestion, puisque c'est quelque chose qui va être accessible à 100% des bailleurs qui mettent en place ce label-là. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de général, qui touche tous les locataires. Le deuxième label, c'est un label qui est un petit peu plus récent, qui s'appelle Livia, et qui est vraiment très orienté relation client dans l'habitat social. Donc, vous allez pouvoir sélectionner une partie des engagements de service que vous souhaitez et donc avoir peut-être un petit peu plus de flexibilité et être vraiment orienté relation client. Donc, si vous avez un projet de transformation autour de votre relation client, ça peut être un label intéressant pour vous. Le dernier exemple qu'on vous a proposé aujourd'hui, en tout cas pour ce que propose Delphis, c'est vraiment orienté locataire senior, c'est le label Habitat Senior Service. C'était pour illustrer le fait que, au-delà d'avoir des labels ou des certifications qui permettent d'adresser 100% des occupants du parc d'un bailleur social, on va avoir des dispositifs un petit peu plus ciblés si vous avez des publics particuliers sur des personnes âgées autonomes ou parfois d'autres publics. On va le voir sur la slide juste après. D'accord ? Donc, on remercie encore les équipes de Delphis qui nous ont mis à disposition gentiment cette slide. Et je rappelle que c'est un organisme indépendant
et donc, bah, par définition, n'est pas prescripteur ni de nos solutions, ni de celles d'autres éditeurs. D'autres exemples qui sont cette fois-ci développés par le mouvement HLM, donc par l'USH. On vous a mis bah, évidemment l'exemple de Cali HLM, qui est assez connu hein, comme Cali Buy. Les particularités ou les avantages qu'il va y avoir avec ce label, c'est qu'on va vraiment se concentrer d'abord sur les points faibles de l'organisme, et qui va permettre une certaine latitude quand même sur les modalités de construction, sur les modalités de plan d'action pour mener à bien la résolution de ces problématiques. Et toujours avec une concertation à la fois avec les locataires ou les associations de locataires, ou en tout cas leurs représentants. Donc ça, c'est plutôt orienté sur 100% des locataires du parc. Et on va avoir des déclinaisons au sein même de ce label pour zoomer encore une fois sur des publics ou sur de l'habitat particulier. C'est le cas par exemple de la déclinaison qui s'appelle résidence thématique, qui est un petit peu plus récente que Cali HLM en elle-même, puisque ça a été lancé en 2021. Et ça va permettre aux bailleurs qui ont de l'habitat qu'on appelle spécifique, donc avec par exemple des foyers logements ou en tout cas des publics spécifiques qui vont être hébergés dans une partie du parc immobilier ou la totalité, hein, si c'est votre activité principale, eh bien vous allez pouvoir avoir quelque chose qui vous convient également au-delà d'un socle généraliste sur lequel vous appuyez. Il y a également un autre exemple qui est également assez récent, qui est Cali Coop, qui est un label qui est vraiment porté par la Fédération des Coop HLM, qui a été lancé en 2022 et qui va permettre de structurer une démarche d'amélioration continue autour de 12 engagements répartis sur 3 axes qui sont vraiment propres à cette typologie d'organisme. Donc on va retrouver la mission d'intérêt général qui va être au centre de ce que caractérise une coopérative HLM, la gouvernance coopérative et le modèle responsable. Donc ces différents engagements, ces 12 engagements, ils vont se structurer autour de ces 3 axes et ils vont donner un cadre qui n'est pas du tout figé et qui va permettre derrière de passer à l'action de manière assez facile. Donc on continue sur cet exemple-là qui est assez parlant et qui permet de retrouver les grands principes, les grandes caractéristiques hein, de ces certifications et de ces labels. Vous allez systématiquement avoir une période de réflexion collective ou en tout cas de diagnostic de comment ça se passe aujourd'hui et de quel est le plan d'action correctif qu'il faut mettre en place. Ça, c'est vraiment le point de départ et le fil conducteur, quelle que soit la certification, quel que soit le label, avec des subtilités bien sûr de l'un à l'autre, mais le socle qu'on va garder, c'est un diagnostic, c'est d'où on part et grosso modo, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Derrière, on va avoir également toute une phase de passage à l'action hein, sur la base de ce qui a été défini à l'issue du diagnostic. Ensuite, on a l'obtention du label ou de la certification hein, avec sanctionné par un audit. Et à l'issue, eh bien, il y a la possibilité de le conserver ou non avec des audits de renouvellement et des bilans successifs pour que ben, vous n'ayez pas la tentation de plus rien faire à partir du moment où vous avez obtenu le précieux CESA. Voilà, donc quels avantages hein, pour votre organisme? Je vais passer un petit peu rapidement parce que je vois que l'heure tourne et que je parle beaucoup. Au moins 3 bonnes raisons. La première, bah, c'est améliorer la satisfaction de vos locataires parce que même si aujourd'hui ça se passe très bien, il ne faut pas laisser se dégrader cette relation. C'est vous permettre de vous armer face à des exigences toujours plus élevées des locataires. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est soigner l'image qu'on a de votre organisme parce que si vous faites briller votre organisme, c'est aussi faire briller votre marque employeur, votre attractivité vis-à-vis des collectivités, des financeurs ou de vos partenaires de manière générale. Et puis, c'est surtout rendre visible tout le travail que font vos équipes au quotidien, parce que vous, vous le savez, ils le savent, mais ça va mieux en le disant. Et puis, le dernier volet, c'est vous donner un cadre pour fédérer votre équipe autour d'un projet et atteindre cet objectif commun tous ensemble avec des moyens normé de se comparer et de savoir où on va
et est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser la main Flavien sur les principaux enjeux autour de la qualité dans les HLM. Ben, merci beaucoup, c'était très utile à titre personnel alors que je pense que je commence à connaître le logement social. J'étais un peu perdu sur les différentes normes, ce qui est vrai d'ailleurs pour d'autres typologies de normes, et donc j'étais assez content de faire ce webinaire et notamment d'avoir ce récap. Là, l'objectif, c'est d'aller un peu plus sur, en dehors de sujet certification, à quoi est confronté le secteur. Si on regarde un tout petit peu les enjeux que vous avez aujourd'hui, ils sont assez simples en lien avec le locataire. Il y a des choses qui sont réelles, des choses qui sont réelles par rapport à, enfin, qui existent pour l'ensemble de la société. Le premier enjeu, c'est la notion de multicanalité. C'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut pouvoir contacter des gens par email, par téléphone, en physique, etc. On est très exigeant sur la notion de réactivité. La réactivité, c'est devenu quelque chose qui s'est imposé comme quelque chose de clé en indicateur de service client. Et donc, bah, ça arrive aussi dans le logement social. Deuxième chose, on est sur une évolution naturelle de l'activité d'un bailleur social. Du fait de la crise, du fait d'une évolution naturelle, on est aujourd'hui face à des acteurs qui diversifient leur activité, qui peut être des diversifications au travers des services proposés aux locataires, ça peut être une diversification au regard de leur intervention immobilière, ou ça peut être une diversification avec des nouveaux produits. Donc ça va du logement intermédiaire à l'accession à la propriété, à je propose du soutien scolaire. Et ça veut dire que ça doit être pris en compte dans les process, dans l'accompagnement humain et peut-être dans les outils. Et le dernier point, c'est quelque chose qui existe, qui continuera d'exister, c'est d'arriver à passer un secteur qui était volontairement sur une approche d'usager vers une notion de client, en particulier, par exemple, quand on est sur du logement intermédiaire. C'est des choses qu'on a déjà entendu parler, notamment, je ne sais pas, chez Air France ou à la SNCF, où là aussi, on passe d'une notion d'usager à une notion client qui n'est pas qu'un élément de vocabulaire, c'est aussi une démarche un peu différente. Si on rentre un peu dans le détail, on avait réalisé cette fois-ci avec le cabinet Verton une étude. Juste très synthétiquement, qu'est-ce qu'on a pu constater avec cette étude et qui, j'espère, et ressemble à ce que vous pouvez vivre dans le quotidien. Comme je vous l'ai dit, les gens contactent les bailleurs de multiples manières. Le téléphone reste le canal principal, mais on voit que d'autres canaux se complètent. Et malheureusement, ou heureusement, en fait, un canal ne remplace jamais un autre. On est aujourd'hui sur un phénomène où, en réalité, les canaux successifs s'additionnent parce que c'est des besoins différents. Et donc, charge aujourd'hui à un bailleur d'arriver à mettre en place un centre de relations clients qui permet d'avoir un système de centralisation et une efficacité pour cette multiplicité. Et avec aussi un phénomène assez classique dans le service client, c'est qu'en fait, la majorité des gens vont avoir peu de contacts. Donc, en fait, il y a des gens où bah, ils vont contacter peut-être une fois par an et encore. Et à l'inverse, des gens qui vont notamment bah, dans une situation de crise, démultiplier les contacts. Et donc, aujourd'hui, il faut gérer la multicanalité et en même temps des profils totalement différents sur ces éléments-là et avec des attentes complètement, complètement différentes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette fois-ci sur la thématique d'extension d'activité, qui était mon deuxième thème, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis un bailleur social, je suis en train de proposer des nouveaux produits. Ben en fait, les gens connaissent un peu ces nouveaux produits, mais dans la pratique, ne savent pas comment y aller. Ce qui pose des questions, notamment de marketing. C'est-à-dire qu'on voit que l'enjeu qui arrive dans la relation client, ce n'est pas seulement de traiter le flux entrant, donc c'est-à-dire de gérer des demandes de renseignements, mais peut-être de réinverser, de se dire sur certaines thématiques, l'enjeu n'est pas le traitement, mais d'envoyer de l'information. C'est le cas pour l'accession à la propriété, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres enjeux. Ça peut être des notions de mutation de parc où on voit qu'il faut se positionner sur savoir quelle est la stratégie que je veux mettre en place sur ce push à destination de mon parc. Et le dernier point, c'est sur cette notion d'usager. Élément très important, les gens sont contents de leur relation avec leur bailleur. Donc ça, c'est un point qui est très important. L'enjeu, c'est pas de dire que le travail est mal fait, au contraire, c'est d'essayer d'identifier quels sont les axes sur lesquels aujourd'hui le bailleur n'est pas positionné et sur l'enquête lequel il y a une attente quand on parle de client. Si je devais résumer, le cœur d'activité, les gens considèrent que le travail est fait. Un usager, donc l'ancien terme, il attendait à ce qu'on lui attribue un logement à un prix pas cher sur un bon emplacement. En fait, ça c'est fait. L'enjeu aujourd'hui quand on passe sur du client, c'est qu'en fait, je suis client, je veux qu'on me réponde.
j'ai envie de services additionnels. Et c'est là où, quand on rentre dans le détail, donc c'est le même schéma avec cette fois-ci un peu de nuance. Grosso modo, les gens sont satisfaits de la relation avec leur bailleur. Par contre, ce qui blesse, c'est la réactivité. Et cette notion de réactivité, elle est toujours un peu subjective, hein, parce qu'évidemment, quand je suis énervé, j'ai envie qu'on me réponde. Mais dans la réalité, il y a quand même un enjeu de réactivité, en particulier dans les interventions sur leur parc ou dans la remontée d'incident. Aujourd'hui, c'est vrai que la remontée d'incident est rarement très simple et il y a rarement beaucoup de communication qui est faite dans le traitement de cet incident, ce qui peut entraîner une certaine nervosité des interlocuteurs. Si maintenant on continue un peu la logique, les locataires ont des attentes différentes, ont des pratiques différentes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également des enjeux autour des outils. Si on regarde le logement social, on peut avoir trois grands éléments aujourd'hui sur le schéma informatique. On est aujourd'hui sur des outils qui sont cloisonnés, malheureusement. Alors, cloisonnés, pas parce que les gens étaient fermés d'esprit, ça reflète juste l'historique de l'informatique. Les organisations pendant très longtemps étaient cloisonnées, c'est-à-dire qu'il y avait des départements, donc en fait on était très en silo quand on regardait une organisation. On avait une démarche où un outil devait répondre justement à un de ces silos, et donc on avait un outil qui répondait à une problématique gestion de patrimoine, un outil pour faire le quittancement. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah en fait, ça répond plus aux enjeux. On est aujourd'hui sur des enjeux où on veut décloisonner les organisations. Et donc, on veut que les outils se communiquent et les gens communiquent. Et on est aujourd'hui sur une réflexion où on s'aperçoit que quand on fait un parcours utilisateur, bah en fait, ça démultiplie tous les intervenants. Et par exemple, le cas classique, c'est quand je veux traiter un incident, ce n'est pas tant un outil de ticketing que j'ai besoin, c'est un outil qui va permettre de communiquer avec le bon de commande pour les travaux, le portail locataire, etc. Donc, avoir des liens un peu avec les élèves. Deuxième enjeu qu'on a, c'est la data. La donnée. Assez souvent, c'est assez impressionnant de voir la double saisie qui est faite dans les outils et le nettoyage nécessaire qui est à réaliser. Là encore, ce n'est pas une volonté de mal faire, c'est une conséquence. Pendant très longtemps, la collecte de la donnée semblait pas hyper importante, et notamment la manière de procéder. Donc en fait, je collectais la donnée, elle arrivait un peu à droite à gauche, c'était pas très grave. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une qualité mauvaise en entrée, ça fera une qualité mauvaise en sortie. C'est quasiment impossible de contrebalancer une qualité mauvaise en entrée. Et deuxième élément, on ne s'apercevait pas de la contrainte que ça pouvait avoir d'avoir une donnée mauvaise. Or aujourd'hui, je veux faire de la réno énergétique. Ben comment je peux avoir quelque chose qui me donne en un seul clic des informations sur mon parc? J'essaye de répondre aux différents reporting réglementaires. RPLS, selfie, donc si je suis sur le logement accompagné, le logement social, on me demande aujourd'hui de fournir des informations. Est-ce que je les ai? Pas forcément. Et sur des thématiques classiques, hein, de taxes foncières, bon courage pour réconcilier sa base patrimoine avec la base cadastrale, avec les données aujourd'hui existantes. Donc il y a un enjeu, et sans stresser les gens, l'enjeu va devenir essentiel, parce que sinon, en fait, on va payer des gens à essayer de retraiter des trucs sur du fichier Excel et je vais faire du shadow IT. C'est-à-dire que je vais avoir des fichiers qui traînent à droite à gauche. Et le dernier point, c'est la conséquence. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que résultat, avec ces outils cloisonnés et cette maîtrise relativement faible de la qualité de la donnée, ben en fait, à la fin, j'ai un effet déceptif. Je ne peux pas remonter l'information dans mon désordre d'échelle, notamment à destination du locataire, une information qui est pertinente. Très rapidement, qu'est-ce que ça fait comme constat? Enfin, c'est quoi la conséquence? En fait, aujourd'hui, avec des outils cloisonnés et les ERP traditionnels du secteur, je ne peux pas bouger. En fait, je n'ai pas de capacité à faire des projets qui ne durent pas 5 ans et à intégrer des nouveaux logiciels. C'est aujourd'hui en tout cas illusoire ou en tout cas à des coûts raisonnables. Deuxième élément, le design est dégueulasse. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on impose à des gens d'utiliser des outils qui ressemblent quand même à des choses du MS-DOS ou des années 80, mais qui sont sans commune mesure avec l'expérience qu'on a dans son quotidien. Quand je veux lancer un film avec Netflix, bah c'est intuitif. Quand je veux faire un contrat de bail avec un outil, ça l'est pas. Et donc, il y a des enjeux aujourd'hui de complètement dissonance entre ce que je vis dans mon quotidien professionnel et le reste. Et le dernier point, c'est aujourd'hui très difficile d'imaginer qu'il y a les outils qui permettent de suivre
l'activité de son parc ou de proposer des services à ses locataires. Il y a très peu de liens qui est fait, donc sur les enjeux de demain, on risque d'avoir un travail assez important à réaliser. Très rapidement, sans donner trop de mots pompeux technologiques, ça revient à faire la thématique systématique sur la stratégie SI. Est-ce que je pense que je vais avoir un outil qualifié de ERP qui va prendre en compte tous les processus métiers et c'est celui-ci qui va être la base et que je vais connecter à tous les éléments? Ou est-ce qu'il faut que j'essaye d'aller sur une thématique plus flexible où j'essaye d'identifier des acteurs qui sont entre guillemets les meilleurs dans leur domaine et l'enjeu de les connecter? Et ça, pour moi, c'est. Je pousse pas forcément l'un ou l'autre. Évidemment, j'ai une préférence naturelle pour l'un, mais pour moi, c'est une vraie stratégie qu'il faut assumer. Soit je considère que le RP va tout faire. Bah, à ce moment-là, il faut avoir identifié quels vont être les limitatifs et est-ce qu'il faut que je crée une base de données externe ou que je corrige les problèmes de connexion. Et si je vais sur du best of breed, c'est-à-dire le meilleur de chaque application, comment je travaille la connexion entre les différents outils et que j'évite de démultiplier les interfaces dans tous les sens. Quel que soit son choix, et ça me permet de faire un lien, et vraiment, je le pense et je le répète à longueur de journée, un outil est anecdotique. Donc en fait, avant même d'avoir cette stratégie SI, si même je fais un pas en arrière, il faut réfléchir au reste, ce qui entoure un outil, c'est-à-dire, un, ne pas imaginer que c'est pas parce que je suis à l'est de la France que mes process ou mon approche devraient être différentes des gens de l'ouest ou du sud. C'est-à-dire, pour moi, le spécifique devrait être anecdotique. Le spécifique ne devrait pas faire partie d'une stratégie. Ça devrait être un élément qu'on a identifié en bout de course, mais on devrait penser que fondamentalement, mon activité devrait être résolue par une approche mutualisée de l'approche. Pourquoi? Ce n'est pas que je suis contre le spécifique. Je pense que sur certaines thématiques, il y a des choses très intéressantes, mais le spécifique a toujours les mêmes conséquences. C'est plus coûteux, c'est plus long à mettre en place, il y a des enjeux de maintenance très fortes et il y a une proba très forte de finir avec des fichiers Excel autour du spécifique. Ça arrive assez systématiquement. Deuxième chose, je le répète, il faut penser à ses process et aux humains avant de travailler l'outil. Et le dernier point, c'est ce que je répétais, il n'y a pas de chevalier blanc, il n'y a pas un outil qui, miraculeusement, va résoudre toute votre thématique. Un outil ou un logiciel, c'est vraiment ce qui va, en fait, enrichir le travail de l'humain, mais ce ne c'est pas ça qui va fondamentalement résoudre des problèmes de processus ou de conduite du changement en interne. Ça reste un outil. Ce qui fait le lien pour moi avec l'enjeu de la certification, c'est que la certification, évidemment, il y a des enjeux informatiques, il y a des enjeux à répondre à des enjeux, mais des enjeux locataires, mais il y a surtout des enjeux humains. Et je laisse la parole à Maxime sur les enjeux, on va dire, humains qu'il y a autour de la certification en particulier. Merci Flavien. Effectivement, hein, on l'a vu, il y a plusieurs enjeux quand on veut faire de la qualité ou se transformer avec ou sans certification ou label dédié. Les principaux enjeux côté métier ou RH, ils sont trois. On en a identifié trois principaux. Le premier, bah, c'est quel que soit le projet de transformation qu'on veut mettre en place, c'est que vous avez déjà des équipes qui sont fortement mobilisé. On vous a mis deux, trois verbatims que vous avez déjà dû entendre dans vos équipes. C'est le classique. Bah, moi, j'ai déjà du mal à bien faire mon métier. Qu'est-ce que tu me rajoutes un projet en plus? J'ai déjà d'autres projets internes en parallèle, soit dans la transformation de mon service, soit parce qu'on a mis en place un outil informatique, etc., etc. Assez souvent, les enjeux, c'est le manque de clarté, soit dans les responsabilités de chacun, soit dans pourquoi on fait ça. C'est jamais assez clair. Ça va, c'est jamais, comment dire, on va jamais clarifier assez pourquoi on fait ça, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce qu'on attend de moi en particulier ou de mon équipe si je suis manager et que je dois les accompagner vers cet objectif-là. C'est-à-dire, très bien, je dois m'engager à traiter les réclamations d'un locataire en moins de 7 jours. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que on m'a dit qu'il faut que je le fasse et que si je le fais pas, c'est pas bien? Ou peut-être parce que si je fais ça, bah, les locataires seront peut-être plus satisfaits, j'aurai peut-être moins de travail à gérer, etc., etc. Et le troisième volet, c'est que quel que soit le projet de transformation, hein, y compris sur une démarche qualité, il y a assez souvent des impacts pas négligeables sur l'existant,
puisque bah, y a des tâches qui vont s'arrêter, il y en a qui vont être faites différemment, et donc ça vaut le coup de les identifier. Et la vraie question derrière, hein, quand on est à son poste de travail, c'est OK, aujourd'hui je fais ça, je me sens légitime par rapport à ce que je fais au quotidien. Demain, à quoi va ressembler mon métier? Comment on va m'accompagner pour franchir cette marche? Donc, derrière une démarche, que ce soit une démarche qualité ou un projet de transformation, quel qu'il soit, tu l'as très bien dit, Flavien, c'est de l'humain avant des process, du process avant des outils ou des certifications ou des démarches qualité de manière générale. Donc, il ne faut pas négliger les aspects métier ou RH qui sont associés à tout ça. Et justement, un des enjeux, c'est de savoir comment concrètement, une fois que j'ai la certification, et d'ailleurs, en dehors même, en plus de la certification, comment je peux tenir des engagements sur la durée. Là, je répète, j'adore le répéter, mais l'enjeu primordial, c'est d'abord de traiter, on va dire, les êtres humains. En clair, il faut une conduite du changement. Je me lance dans l'accession à la propriété, qui veut dire que j'ai une approche beaucoup plus de commercialisation, voire même de ce qu'on pourrait qualifier de sales. Dans une zone tendue, habituellement, j'ai sans arrêt des demandes de logement. J'ai pas l'habitude d'aller chercher des clients. J'ai pas l'habitude d'avoir une démarche marketing. Donc, il y a des enjeux énormes de conduite du changement. Deuxième chose, si je n'ai pas mis à plat mes process en identifiant les éléments d'incohérence, de double saisie ou de demande, ben en fait, je ne vais rien simplifier et je ne vais pas réussir à tenir mon engagement. Si en fait, dans mon process, pour répondre en 24 heures, ça nécessite 12 personnes, ça ne marchera jamais et ça permet de prendre un peu plus de hauteur. Et le dernier point, en fait, il faut quand même un outil. Mais je le mets en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour moi, pour arriver à maintenir une capacité d'engagement, d'avoir cette capacité à maintenir ces enjeux autour des certifications, il faut avoir des outils, mais des outils modernes. Outils intuitifs. C'est impossible d'imaginer qu'une nouvelle personne qui arrive dans une entreprise sortie d'école soit en capacité de faire des jours de formation ou d'essayer de comprendre un outil qui ressemble à rien. Il peut être complet, s'il n'est pas intuitif, pour moi, il ne fait pas le travail. Deuxième enjeu, s'il n'est pas connecté, très compliqué d'avoir un BI qui est complètement fluide, c'est-à-dire en clair une interface qui me permet d'avoir des métriques clés en temps réel. Et dernier point, si c'est un outil où je sais que dans 2 ans, il sera toujours de la même manière, bah, ça me déprime un peu. Aujourd'hui, on est dans des attentes où je veux que l'outil prenne en compte le retour utilisateur et me démontre cette capacité d'évolution. Le point qui est donc important dans la démarche, j'insiste beaucoup, c'est qu'il vous faut arriver à mettre en place des méthodologies qui existent maintenant depuis, je pense, 5 ou 10 ans, quand c'est généralisé. C'est des démarches où, en fait, on est fondamentalement dans la co-conception. C'est-à-dire de mettre en place des ateliers qui vont permettre de prendre des gens de votre organisation pour réfléchir ensemble sur ces éléments-là. Et ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça permet de gagner du temps et de l'argent à la fin. Pourquoi ? Ça commence à entraîner de la conduite du changement, ça permet de réfléchir sur le développement de produits, ça crée une dynamique et c'est hyper important de le faire. Évidemment, on le fait avec Hublot, mais mon message principal, c'est peu importe Hublot ou autre, faites cette démarche-là. Au préalable, ne faites pas des cahiers des charges, des listes à la Prévert où j'ai 12 pages, où on est censé répondre à tout. En fait, il faut plutôt identifier ce qui est le principal dans les éléments et simplifier le process. Très rapidement, il y a plusieurs typologies de méthodologies. Au Hublot, on utilise plutôt le design thinking qui est à l'origine, on va dire, de la méthode agile que certains connaissent. On utilise une approche blueprint. Bon, peu importe les éléments. Fondamentalement, ils vont tous répliquer la même méthodologie. C'est d'essayer d'impliquer les gens en leur faisant sortir de leur démarche quotidienne et en essayant de s'affranchir des contraintes qu'ils ont et d'essayer d'imaginer ce qu'ils voudraient avoir et de faire cette démarche-là par des petits pas. C'est-à-dire au lieu de se projeter trop long, d'essayer de faire un peu une approche de prototypage et de nous, en termes d'accompagnement, donner aux gens la capacité de se projeter avec des prototypes, avec des visuels, pour en fait avoir des approches assez concrètes. Une des méthodologies qui marche le mieux, en tout cas nous, ce se constate, c'est qu'on fait des lignes de nage, swim lane en bon anglais. En clair, on prend un process, on dit chaque ligne horizontale, c'est un intervenant, et on essaye de voir à partir d'un process qui fait quoi, qu'est-ce qui est manuel, et est-ce que ça identifie. Moi, j'en ai intervenu pas mal en ce moment sur le logement accompagné. J'ai identifié notamment, par exemple, sur la remontée d'un incident, où, je ne sais pas, à Paris, s'il y avait 3 personnes impliquées,
En région, il y en avait 12. Et en fait, mécaniquement, si en fait vous avez des process qui demandent l'intervention de beaucoup de personnes, c'est impossible de respecter un engagement de réactivité parce que bah, on peut être très rapide. S'il y a 12 personnes, ça prend le process de manière alambiquée. Et donc, il faut avoir un regard critique sur ces process. Qu'est-ce que ça implique, en fait, cette démarche? Et évidemment, ce n'est pas une démarche où il n'y a rien à la fin. Pour moi, il y a des livrables essentiels dans cette phase au préalable. Ça doit vous permettre d'avoir une grille fonctionnelle. Fonctionnelle veut dire vraiment pratique, hein, c'est-à-dire un truc que je peux actionner. Deuxième chose, et c'est quasiment celui pour moi qui a le retour sur investissement le plus évident, c'est identifier les points de blocage. C'est-à-dire d'identifier ce qui pose problème, ce qu'il faut faire évoluer, ce qu'il faut réfléchir. Et le dernier point, c'est d'avoir un plan d'action. Mais pour moi, ça, c'est essentiel. Il faut que vous ayez cette démarche projet de co-conception pour arriver à aboutir à quelque chose. Point très important pour réinsister, quand je dis ça, c'est que l'effet bénéfique, il est à plusieurs niveaux. Il y a un effet bénéfique sur la conduite du changement. En fait, le fait de prendre le temps de inclure différentes parties prenantes dans l'organisation, dans cette démarche, ça fait en sorte qu'on va avoir des prises en compte multiperspectives, les gens vont faciliter l'adoption et on va aussi avoir, donc il y a, en fait, les gens vont se sentir impliqués. Et l'autre implication, c'est qu'on va aller plus vite pour la suite. En ayant très rapidement identifié les enjeux, en ayant très rapidement identifié les hypothèses ou les choses à valider, on va beaucoup plus vite. Donc, au lieu d'avoir un phénomène de tunnel où je prends des décisions et je vois dans 2 ans, en ayant des pas beaucoup plus rapides, on arrive sur un enjeu beaucoup plus efficace. Ce qui fait en sorte que finalement, si je devais résumer et un peu les métriques à suivre en place, si vous voulez tenir vos engagements et arriver à avoir un suivi, pour moi, il faut plutôt avoir une approche de petits pas que d'essayer de faire un truc. C'est-à-dire, l'enjeu n'est pas de mettre un centre de relations clients, mais c'est peut-être d'identifier plein d'actions qui vont peut-être après amener un centre de relations clients, mais en tout cas d'identifier les petites étapes. Si je dois radicalement améliorer quelque chose, c'est pas par un élément. Je veux répondre en 24 heures alors qu'aujourd'hui je réponds en 72 heures. C'est pas une seule personne qui est bloquante. Ça va être un ensemble avec des mails automatiques, travailler la multicanalité. C'est vraiment démontré scientifiquement que quand je veux diminuer d'un grand pourcentage un process, c'est en réalité en améliorant de quelques pourcents des process existants. Et le dernier point pour moi, c'est un peu le suivi d'activité, qu'on peut qualifier même un peu de gamification. En fait, si on veut suivre quelque chose, et qu'on ait le surplus humain pour le suivre, il faut en fait des outils. C'est-à-dire, je dois voir mon activité, je dois voir combien j'ai de tickets ouverts, combien de temps ça a mis, comment je me compare par rapport à l'année d'avant. Donc, j'ai besoin d'avoir un outil qui a des données en temps réel, ou en tout cas le plus réel possible, et surtout qui soit intuitif dans son utilisation. Sinon, je vais jamais y arriver. Et donc après, c'est un des points très importants, c'est la dernière élément, c'est-à-dire comment je dois engager les humains là-dessus. Donc Maxime, je pense que... Effectivement, merci Flavien. Donc le troisième volet, hein, c'est organiser votre transformation durable. On va faire assez rapide parce qu'on déborde un petit peu, mais c'est pas grave. C'est que le sujet est riche. Le premier volet, bah, c'est encore une fois, hein, clarifier le rôle de chacun, où on va, pourquoi et comment. On sera jamais, ce sera jamais suffisamment clair. Il faut toujours ne pas hésiter à creuser et creuser. C'est prendre le temps de célébrer les petites victoires, hein, les fameux petits pas dont parlait Flavien à l'instant, et pas avoir peur de réexpliquer, parce que c'est pas parce que à l'instant T c'est compris ou que le reste de l'équipe a compris, quand vous avez des nouveaux ou des mutations internes, ça vaut le coup de réexpliquer. Le deuxième volet, faites des modes opératoires quand vous faites vos projets de transformation qui sont simples, clairs, concis, à jour, illustrés. Et qui sont utilisés, utilisables. On a tous en tête les modes opératoires indigestes de 50 pages que, au final, personne ne sait où ils sont et qui ne sont pas mis à jour ni utilisés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas directement actionnable, comme disait Flavien tout à l'heure. Et le troisième volet, c'est effectivement, hein, si vous pouvez très bien avoir la meilleure démarche qualité du monde, les meilleures intentions. Bah, si derrière vous avez des outils qui vous aident pas à le faire ou des process qui vous aident pas à le faire ou des humains que vous n'avez pas embarqués là-dedans, et ben ça va être compliqué. Donc
On l'a dit, hein, c'est quand on met en place une démarche qualité ou un projet de transformation, au-delà des engagements à tenir, il y a tout le volet humain et tout le projet de transformation organisationnelle qui va derrière, les compétences, les habitudes, les valeurs, les comportements qui sont à prendre en compte. Quand on parle de mode opératoire simple, clair et concis, c'est quelque chose de vraiment directement actionnable avec plutôt une approche comment je dois faire les choses. À chaque étape, plutôt qu'une liste de choses qu'il y a à faire, mais que quand on débarque dans l'entreprise, dans l'organisme, ou qu'on a changé de poste, on mesure pas forcément ce qu'il y a derrière. Essayer aussi des formats courts, par exemple, nous on fait beaucoup de vidéos dans l'équipe Nexia pour présenter en moins de 5 minutes la solution, pour décrire des fonctionnalités de manière claire et visuelle. Ça peut être un format qui peut être intéressant pour vous. Et puis s'appuyer sur des outils modernes, connectés et intuitifs. On va l'illustrer rapidement avec Flavien côté Hublot et Oui, puis pour ma part côté Nexia. ouais, et ça très rapidement, en fait, un des enjeux classiques qu'on peut avoir dans cette notion de certification, bah, c'est le lien en relation client et la capacité de réactivité. Comme je vous l'ai dit, un des points qui est identifié comme entre guillemets noir en bloquant pour le locataire, c'est la remontée d'incident et le suivi de cet incident. Donc en clair, j'ai une problématique de chauffage, j'ai une fuite d'eau, ma porte de parking fonctionne pas. En fait, il y a une difficulté pour le locataire d'identifier le canal qu'il devrait utiliser pour remonter l'incident et surtout pour le bailleur, comment je peux transmettre l'information au locataire et comment je fais le suivi. Et donc, c'est toujours les thématiques à gauche, hein, ces quelques questions, comment les remontées peuvent être automatiques et centralisées, comment s'assurer que le traitement est fait et comment, si une personne utilise trois canaux, comment on s'assure que c'est fusionné au même, comment je peux filtrer l'information et comment je fais le suivi. Et c'est un des cas classiques, j'ai été il y a quelques temps dans un bailleur social et j'étais dans des agences pour voir. Et un des cas classiques que j'ai vu, c'est que par exemple, ils avaient un outil de ticketing. Donc, ils avaient un outil, ça n'a rien à dire. Ils avaient un process, ils devaient répondre aux gens en 72 heures et ils devaient avoir un engagement de traitement de je ne sais plus combien à 95%. Donc, ils avaient l'engagement, le process. Par contre, l'outil était dégueulasse. L'outil était dégradé de gris. Donc, par exemple, on ne voyait pas l'intitulé de l'incident. C'était une ref qu'on ne voyait pas, sans descriptif. Donc, ils devaient cliquer dessus pour avoir le détail. Quand ils envoyaient le devis au prestataire, ça clôturait le ticket. Donc, ça, en fait, biaisait le suivi et il n'y avait pas de remontée auprès du locataire. Donc, ça, pour moi, en fait, c'est impensable d'arriver à imaginer que je peux respecter les éléments et surtout que dans la durée, mes collaborateurs seront heureux d'utiliser un outil qui, en fait, les frustre au quotidien. Parce que une agence peut traiter entre 100, 150, 200 remontées. Ça dépend évidemment de la taille de l'agence et du parc. Mais si j'ai un outil qui me fait perdre du temps, bah, en fait, je vais un peu être démotivé sur les éléments. Donc, très, très important d'avoir des outils qui répondent aux enjeux. Le design, ce n'est pas négligeable dans le quotidien d'un salarié. Et le dernier point que je voulais mentionner sur les outils modernes, c'était comme je vous ai dit, cette double cohérence à avoir. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'avoir accès à l'information pour bien travailler. Donc à gauche, bah, c'est le tableau de bord qu'on met en place chez Hublot. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi mes métriques clés? Comment j'ai des actions rapides? Ça doit être intuitif et rapide parce que j'ai besoin de ça dans mon quotidien. Et deuxième chose, ne pas oublier les autres parties prenantes. Quand on fait de la gestion locative, ça ne concerne pas que le gestionnaire. Ça concerne le prestataire et le locataire. Et donc d'avoir cette cohérence de dire, en fait, quand j'ai une activité, je dois pouvoir notifier et cette notification doit être lisible et accessible à cette personne, c'est important. Donc à droite, c'est une illustration possible d'une notification à destination d'un locataire qui a remonté un incident ou en tout cas même au préalable, avant même qu'il pense à remonter l'incident, le prévenir qu'on est au courant d'un problématique sur le parc. Ça, c'est très important d'avoir cette logique d'avoir des interfaces qui sont aussi à destination des parties externes à l'organisation. Merci Flavien. Alors du coup en complément, tu en as bien parlé, hein, l'accès à l'information, c'est quelque chose qui va être essentiel et qui coûte du temps mais qui coûte du coup de l'argent également. Parmi les principaux problèmes qu'on rencontre nos clients au quotidien, c'est des documents qui vont être un petit peu partout, que ce soit sur des serveurs, dans la jette de l'ERP, dans X
documents dans X, pardon, XPC ou archives. Et donc tout ça, bah, ça nuit à votre performance. Et l'idée, c'est d'avoir des outils qui vont être simples, beaux, intuitifs et connectés entre eux pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, quelques illustrations hein, de ce que nous, on propose dans Nexia. On va pouvoir, par exemple, récupérer d'un outil comme Hublot eh bien, les informations de la fiche du locataire pour pouvoir ne pas avoir de ressaisie sur ces informations-là. Et puis, on parlait de décloisonner votre organisation, les services et l'accès à l'information. On va pouvoir retrouver tout autour de cette fiche de locataire, vraiment dans une logique autour de lui, autour de cette entité Nexia, eh bien, on va retrouver tous les documents qui le concernent, avec la possibilité bah, d'y accéder, évidemment, selon les droits qu'on a. Toujours dans le côté simple, intuitif et rapide, eh bien, plutôt que de passer par 80 sous-dossiers pour accéder aux documents qui m'intéressent, eh bien, je suis au plus proche de ce que je fais à la maison. Je vais avoir un moteur de recherche vraiment à la Google, qui me permet de commencer à saisir un mot-clé, par exemple le nom de famille de mon locataire. L'outil va me le proposer et je vais pouvoir filtrer les résultats qui me sont proposés et qui sont proposés sous forme de vignettes pour que ce soit vraiment visuel. Toujours, si on se place dans votre logique de démarche qualité, vos modes opératoires, s'ils ne sont pas accessibles, s'ils ne sont pas partagés et s'ils ne sont pas mis à jour facilement, eh bien, ce sera plus compliqué de les utiliser. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de les centraliser dans un référentiel documentaire partagé et sur lequel c'est vraiment votre base de travail. Vous allez pouvoir les modifier, gérer des versions, les éditer dans Office et réintégrer les modifications que vous avez faites. Comme ça, quand ils sont prêts, vous les mettez à disposition de vos équipes au même endroit en quelques clics et c'est accessible partout puisque comme Hublot, c'est 100% en mode SaaS. Et un des derniers points pour terminer un peu le webinar, vraiment l'enjeu, c'est sur la connexion avec les outils. Et là encore, sans trop rentrer dans la technique, c'est notamment de pouvoir communiquer en API, en fait d'avoir des passerelles de connexion où on peut envoyer des informations en temps réel. Et ça, c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, si vous n'avez pas un interlocuteur qui vous propose nativement d'avoir une API, je pense que c'est un énorme frein à la plupart des projets. Et pourquoi c'est un frein? C'est un frein sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire comment il peut ne pas avoir à double saisir des éléments. C'est un frein à la rapidité dans votre organisation pour lancer quelque chose, c'est-à-dire que si à chaque fois je dois refaire des connexions entre les outils pour avancer, bah, j'ai un bloquant. Et c'est un frein de conduite du changement ou même de changement d'outils. En fait, pourquoi les acteurs ne proposaient pas d'API? À un moment, c'est parce qu'il y a un enjeu technologique. Là, aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu technologique, ce n'est pas un enjeu de coût. C'est juste que ça bloque la personne. En fait, en bloquant les API, on bloque l'information que vous avez rentrée. Et donc, bah, pour vous, c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer un changement. Donc, pour moi, c'est pas qu'un frein technique, c'est un frein intellectuel et un frein stratégique que vous avez. Donc, vraiment, ce que je conseille, si j'étais acheteur côté logement social ou de manière générale, c'est d'imposer cette connexion native aujourd'hui pour éviter de se retrouver bloqué et vraiment arriver à un niveau d'échec de la relation client. Parce que à titre personnel, moi, ce qui me frustre le plus, c'est toujours de ressaisir des informations que j'ai déjà données ou que les informations que j'aurais voulu avoir ne sont pas disponibles parce qu'elles ont été stockées que dans un seul outil. On a un tout petit peu débordé, mais juste en terminé, c'est pour ça qu'on a essayé de faire un webinaire qui couplait un peu les deux expertises, c'est-à-dire l'expertise gestion documentaire et gestion locative au travers d'un enjeu de certification. Et c'était là un peu ce qu'on essaye d'amener, c'est d'essayer de identifier que la certification, ça va être un triptyque de arriver à faire changer les humains, arriver à mettre en place des process et avoir les outils pour le faire. Ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment, chaque point est indispensable. On a essayé d'amener cette discussion en présentant nos outils et les enjeux de certification. J'invite à avoir cette démarche sur tout. C'est-à-dire que là, on a parlé de la certification HLM, mais je pense que c'est un jeu aussi sur des thématiques RH ou d'autres pans possibles. Effectivement.
Alors, on a un petit peu débordé, effectivement, mais si vous avez quelques questions, on pourra en prendre une ou deux, et puis le reste, on les traitera ensemble. On se fera un plaisir de prendre rendez-vous pour échanger autour de ces sujets, et puis autour de vos projets de transformation de manière générale. Et je vous rappelle que si vous souhaitez mettre en place une démarche qualité, hein, que ce soit une certification, un label, on vous a mis dans le support, eh bien, les coordonnées soit des personnes qui s'en occupent côté USH, soit du côté de Delphis, et on sera ravis également de vous mettre en relation avec des auditeurs certifiés qu'on connaît et qui seront ravis de vous accompagner dans ces démarches. Et aussi, n'hésitez pas si vous avez des remarques, donc vous pouvez le faire dans le chat ou même après, vous pouvez me l'envoyer à Maxime. Moi, si vous avez trouvé que c'était trop long, qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas adaptés, ou c'était bien, si on est surpreneur. Et aussi sur la thématique, si vous voyez des sujets qui vous trouvez non traités habituellement ou peu traités, vraiment l'objectif, c'est qu'on essaye de créer du contenu qui répond à vos besoins. Donc vraiment, le plus d'idées. Vous nous fournissez, le mieux on sera de proposer un webinaire qui répond à vos attentes. L'objectif, c'est de nous, en le travaillant évidemment, comprendre encore mieux les thématiques et espérez-vous de temps ou même d'ouverture d'esprit sur le temps de cette. J'ai vu que Corinne. Sans faire du name dropping, et Erwan est en train de taper dans le chat. J'en profite pour commenter un peu rapidement les sondages. Donc, alors bon, je ne suis pas sûr que si j'étais statisticien, je dirais qu'ils sont révélateurs en fonction du nombre de votes, mais connaissez-vous Access? Donc, la majorité disait les deux. Après, il y avait seulement Hublot. Donc, on a peut-être des fans de chat. On voit que. La majorité des gens ont une certification ou un projet de certification, donc on voit que c'est un enjeu assez majoritaire. Et pour l'instant, on voit que le webinar a rempli ou à peu près rempli ces enjeux. Tant mieux. Et comme je vous l'ai répété, vous pouvez bien évidemment faire parvenir à Maxime ou à moi des questions ou des éléments complémentaires, en sachant que vous allez bien évidemment recevoir le replay. Et le support associé qu'on vous a présenté un peu rapidement. On a des slides en plus, hein, sinon on aurait fait 2 heures, mais qu'on va vous communiquer, où notamment on a des éléments complémentaires sur quelques cas d'usage. Là, on les a passés très vite, mais on avait des exemples d'implémentation rapide. Parfait. Merci à tous en tout cas. On reste en contact. N'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir d'échanger sur vos projets. En tout cas, nous, on a été ravis de vous présenter ce webinaire et on espère vous retrouver bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. À Bonne bientôt. journée, à bientôt. Au revoir.